Alors, ça, ce matin, le Nishmat, Mahlou Ben Simon et Saada Bat Frecha. Mordechai Bat Saada. Amar Rabbi Yossi, Nefesh Kitecheta, Adarna le Kreat Shafouachayom. Dit Rabbi Yossi, dans la Torah, c'est écrit une âme qui va fauter, et dans le Shir HaShirim, c'est écrit Ad Shafouachayom, jusqu'à que la journée se termine. Il dit ici, une personne devrait faire attention à ses péchés. Ken? Vetitouv la tkaa. Et la lame, elle a besoin de se purifier. Atchiafoua chayom, venasoua tselalim. Qu'est-ce que c'est nasoua tselalim? Chaque personne, elle a deux ombres. Ombre, l'ombre. Quand tu marches dans la rue, en pleine journée, le soleil te frappe comme ça sur la tête. Qu'est-ce que tu vois sur le, en bas par terre? Ton ombre. Your shadow. Oui? Deux. Il y a deux. Si tu fais attention, il y a deux. Un qui est très long, un qui est plus court. Tu as toujours deux ombres. Un long, un court. Okay? Il dit ici qu'une personne, quand il doit quitter ce monde, 30 jours avant, il n'a plus d'ombre. 30 jours avant que tu quittes ce monde, l'ombre, il part. C'est ça qu'il veut dire le roi Salomon. Vena su'atselalim. Et les ombres partent. Quand est-ce que les ombres partent? Quand tu dois quitter ce monde. Alors, tu as 30 jours pour te préparer pour quitter ce monde. Mais il dit ici, Rabbi aussi, il ne faut pas attendre la fin. Il ne faut pas attendre le 30 jours avant de quitter ce monde pour faire tchouva. Il dit que la tchouva doit se faire chaque jour. Et plutôt mieux que c'est. Parce que ce n'est pas la même chose. Quelqu'un qui fait tchouva quand il a 20 ans et quelqu'un qui fait tchouva quand il a 80 ans. La tchouva, c'est toujours acceptable. Parce que je crois accepte toujours la tchouva. Mais quand tu as 20 ans, tu as plus de possibilités de faire du mal. Quand tu as 80 ans, tu n'as pas envie de faire du mal. Okay? Alors tu fais tchouva et tu ne fais rien. Mais quand tu as 20 ans, tu peux faire du mal et tu retiens. Ça a beaucoup de force, cette tchouva. Okay? Et c'est pour ça que le roi Salomon il dit dans ce livre, « V'zechor et Hashem bimei bochurotecha. » Rappelle-toi d'Hashem quand tu es jeune. Tu dois te rappeler d'Hashem même au dernier souffle. Quelqu'un qui n'a rien fait toute sa vie. Et juste avant de donner le dernier souffle de sa vie, il dit, je crois en Hachem. Il a fait tchouva, c'est acceptable. C'est acceptable. Mais la chose est comme ça. Quand tu as un habit qui se salit, très sale, un habit très très sale, si tu le mets un peu dans l'eau, peut-être tu vas enlever un peu de saleté, mais il va pas être propre. Mais quand tu as un habit, tu le mets avec de l'eau chaude, avec du savon, avec des détergents. Quand il va sortir blanc comme il faut. La même chose la tchouva. Quand tu fais la tchouva quand tu es jeune, ça veut dire que c'est un processus de tchouva toute sa vie. Alors l'habit, quand il retourne propre. Quand tu fais la tchouva quelques minutes avant de quitter ce monde, oui, tu as fait tchouva. Mais il reste des traces. Il y a des traces. Alors il dit ici, Rabbi aussi, une personne devrait voir comment faire tchouva le plus tôt possible, avant que le nasoat selalim, avant que le deux ombres le quittent, ken, et lui doit après quitter ce monde. Alors c'est, ça veut dire qu'une personne devrait être constamment tchouva. Regardez, quand on dit d'être tchouva, même le plus grand tzadik au monde a besoin de faire tchouva. Le plus grand tzadik au monde. Comment on le sait? On sait tous qu'il est interdit de dire une bracha en vain. D'accord? Bracha le batala, c'est assour. Si le tzaddik n'a pas le droit, si le tzaddik n'a pas besoin de faire tchouva, si on va dire, quelqu'un qui est tzaddik, de matin au soir, il fait que de mitzvot, que de bonnes choses, il va nulle part, il va étudier toute la journée, il va faire ses brachot. Si on dit qu'il n'a pas besoin de faire tchouva, alors donc, on doit dire qu'il fait un bracha le batala, ou dans l'amida. Qu'est-ce qu'on dit dans l'amida, la cinquième bénédiction? Ashivenu avinu lo toratecha. Vekarevenu malkenu avodatecha, retournons Hashem vers ta Torah, vachazerenu betshuva shlema lefanecha, et retournons avec une tshuva shlema. Et qu'est-ce qu'on dit à la fin? Baruch ata Hashem arotze betshuva. Si le tzadik n'a pas besoin de faire tshuva, c'est bracha en vain. Mais tu apprends de là que même le plus grand tzadik a besoin de faire tshuva. Pourquoi? Parce qu'à son niveau à lui, le péché sont comptés différemment. Exemple, la Gemara dit David Amelech. David Amelech, il n'a pas fauté avec la femme. La Gemara dit, tout celui qui David a fauté avec la femme, toé, il se trompe. D'abord, c'était sa femme originale. D'abord.
Il était, vous savez qu'un bébé avant qu'il naît, déjà dans le ciel on dit, ce bébé il va être conçu chez sa mère dans 40 jours, et ce bébé il va être conçu chez sa mère 40 jours, c'est un garçon et une fille, et on le met ensemble déjà. Dans le ciel, on fait le chidour 40 jours avant que tu sois conçu. Ta mère n'est même pas encore enceinte. C'est 40 jours avant qu'elle soit enceinte, on a déjà dit à qui tu vas te marier. David HaMelech était destiné à se marier avec Bathsheba. Seulement, qu'est-ce qui est arrivé quand il a tué le géant Goliath? Il ne pouvait pas ouvrir l'armure. Goliath, il avait une armure ici, sur le cou. Il avait une armure. Alors, il a dit, c'est lui qui va me montrer comment ouvrir l'armure. Par où? Parce qu'il voulait lui couper la tête. Je vais lui donner une fille d'Israël. Hachem a dit, oh, qu'est-ce que ça veut dire? Tu distribues les filles d'Israël comme ça? C'est les filles d'Israël. Et si ce serait un goy qui serait venu, tu aurais dit comment ouvrir l'armure, tu lui aurais donné une fille d'Israël? Alors il dit, tu sais quoi? Tu distribues les femmes comme ça? Moi, je vais distribuer ta femme. Hachem a pris sa femme et lui a donné à Oréa Hiti. Il dit, c'est ta femme, mais c'est quelqu'un d'autre qui va se marier avec elle avant que tu te maries avec elle. Toi, tu donnais des filles comme ça. Moi aussi, je vais te donner ta fille. Ça veut dire que c'était sa femme. Donc, maintenant, il s'est marié avec quelqu'un d'autre. Alors, c'est la femme de Uriah Hiti. Okay? Uriah Hiti. Uriah Hiti, il est venu chez David et il lui dit, Sa Majesté, nous sommes en pleine guerre et tout ça. Il dit, retourne dans la... Alors, retourne en front. Il dit, vous allez pas... Il lui dit, il lui a dit le contraire. Il lui dit, écoute, il y a deux soldats au front, il y a tout ce qu'il faut au front. Toi, tu peux rentrer à la maison. Rentre à la maison. Alors, il lui dit, Uriah, il lui dit à David, mais vous n'allez pas me dire quoi faire. Hein? C'est moi le général d'armée, pas vous. Tu ne dis pas ça à un roi. Tu ne dis pas ça à un roi. Tu vous allez pas me dire quoi faire. C'est moi le général d'armée. Mais il t'a donné une exemption, rentre chez toi. Ok, tu peux lui dire, non, écoutez, ils ont besoin de moi et j'ai besoin d'être là-bas. Ok, tu peux dire. Mais il a dit, vous n'allez pas me dire quoi dire. Rien qu'en disant ça, la Gemara dit, Chayav Mita. Il pouvait le tuer, David. David, s'il voulait le tuer, il pouvait le tuer. Parce que rien que le manque de respect qu'il avait. Alors, qu'est-ce que David lui a dit? Ah, tu veux aller au front? Vas-y au front. Va au front. Mais non, il est mort. Alors, les gens, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ah, il a envoyé ses... Parce qu'après, David va se marier avec sa femme. Il dit, ah, il est envoyé au front pour qu'il meure. Ça, la manière que ça a été aperçu par les gens, c'était aperçu comme si David lui a envoyé au front pour le tuer, pour prendre sa femme. D'abord, c'était sa femme. Deuxièmement, celui qui voulait aller au front. Il a dit, oh, David, par chutzpah, il lui dit, vous n'allez pas me dire quoi faire. On dit, tu vas aller au front, vas-y au front, qu'est-ce que tu veux de moi? Vas-y. Okay? Et il est mort. Alors, la Gemara dit, tout celui qui dit que David a fauté, il a tort. Et David, jusqu'à la fin de sa vie, à cause de cette histoire, il a fait tchouva. Il ne mangeait pas à table de roi. Ça veut dire, quand il venait dans le roi, chaque soir, il y a des grands festins. Il était à table, il ne mangeait rien. Il ne mangeait rien. Après que tout le monde en finit de manger, il rentrait dans une chambre qu'il avait. Il y avait là-bas une table, une chaise, un pain presque moisi, un pain de 3 ou 4 jours, presque moisi, c'est ça qu'il mangeait. Et le soir, quand il faisait le Tehillim, à minuit, quand toute la nuit il faisait le Tehillim, il remplissait un verre avec ses larmes, il buvait ses larmes, jusqu'à la fin de sa vie. Pourquoi? À cause de cette histoire. David HaMelech, c'était la Gemara, c'était un tzaddik. C'est le roi David, c'est un tzaddik, et c'est le Messie, c'est tout ce que tu veux. À cause de cette histoire de Bathsheba, jusqu'à la fin de sa vie, il a fait tchouva. Pour dire, même le grand tzadikim, ils ont fait, alors, plus forte raison, si tu n'es pas à cette virgueur, si tu n'es pas à cette taille, c'est sûr que tu dois faire tes tchouva. Baruch Adonai le Olam, Amen, ve Amen.